Yeah? How do you say artist fees in French? Oh, le salaire, le salaire de l'artiste. No, I don't think it's salaire. Quoi? Honoraire. Honoraire, how do you spell it? H-O-N-O-R-A-I-R-E. De l'artiste with an E? Yeah, at the end. You sure? Yeah, okay? Bye. Okay, bye. Ce qui me plaît dans ce tableau, qui est en face de moi, toute la journée, c'est qu'il est vivant. C'est qu'il y a quelque chose de presque, je dirais, magique, dans le sens que le matin, quand je viens, quand je suis de bonne humeur, je le trouve sympa. Mais alors, quand je suis de mauvaise, je trouve qu'il fait une sale gueule. Puis, c'est vrai qu'il accroche aussi le regard et l'humeur des autres gens. Alors, il y a des commentaires. Il n'est pas bon, il ne me plaît pas. Il me plaît. Mais allez savoir pourquoi. Moi, c'est pareil. Il me fait rire ou il me fait grimacer. Je sais pas, il est magique peut-être. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle. À 20 ans, je suis parti aux États-Unis avec mes parents. Ils sont repartis après une année, puis c'était très dur. C'est comme s'ils m'avaient jeté en bas les escaliers. J'ai étudié les beaux-arts à Boston, puis ensuite à New York où je me suis installé. Le chaos américain, après m'avoir submergé, a fini par me stimuler dans mes démarches. J'ai eu ma première exposition en Suisse à 25 ans. Ça a été un énorme succès. J'avais cru avoir trouvé ma voie. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque ma mère a commencé un film. Mon fils me reproche souvent de faire un lapsus un peu pénible pour lui. Je dis mon film pour mon fils. Et d'ailleurs, il me reproche de ne pas savoir vivre une émotion ou de ne pas savoir voir quelque chose sans avoir envie d'en faire un film ou de l'intégrer. D'ailleurs, il a raison, mais je crois qu'il fait la même chose pour sa peinture. J'avais pas envie d'être filmé, mais ma mère a fini par me convaincre. L'idée de montrer la vie de mes tableaux après les expositions m'a vraiment séduit. Et puis ça donne, alors ça devient au niveau de la commune, ça devient au niveau de la commerçance. Le Nord, ça s'appelle Franche-Mérimac. Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être réunie avec mes amis ce soir pour finalement expliquer un coup de foudre entre un tableau, une journaliste qui m'a fait découvrir un peintre qui est Laurent, pour qui j'ai eu beaucoup d'affection tout de suite en le rencontrant aussi un peu plus tard. Et puis ça m'a vraiment touché de lire cet article sur Laurent, où on décrivait absolument New York dans tout ce que j'avais imaginé, parce que je ne le connaissais pas, ce qui était le jazz dont je suis fanatique depuis très longtemps, les volutes de fumée, et finalement ce bar et ce personnage avec qui je vis maintenant depuis 8 ans, tête à tête tous les jours. Quand je rentre dans un établissement public, c'est pas pour voir ton tableau, c'est pour voir la vie, c'est pour avoir des contacts avec les gens. Quand je rentre dans une galerie, c'est pour trouver la vie, sur un plan pictural. Ça a strictement rien à voir avec... Non, trouve pas la vie non, sur Laura, un tu plan m'étonnes. Pictural. Là, tu t'égares. Non, non, la vie, c'est ce bonhomme en face de toi,
qui fait la gueule parce que la sommelière, elle tarde à le servir. Chacun d'entre nous, quand on rentre, on se met, si on est seul, on est au bout du bar, qu'est-ce qu'on fait la première chose si on le regarde? C'est déjà drôle qu'il n'y ait pas de dialogue qui soit instauré, ou c'est certainement intérieur, entre le tableau et vous. Mais je veux dire, ça, c'est pour moi, c'est pas vivant. C'est une partie de ce que tu as voulu représenter, c'est un petit peu ta vie, mais c'est pas la vie. C'est une partie de la vie, mais maintenant, je veux dire, c'est un tableau, c'est pas la vie. C'est un tableau qui représente la vie. Qui représente la vie, qui représente une vie sociale, qui représente le bistrot, ça nous fait chier l'amitié, mais qui représente aussi la solitude dans l'amitié. La solitude, il montre ce tableau, la solitude. C'est ça n'existe pas. Le solitaire, il attend quelqu'un dans ce tableau. Tous mes clients, un jour ou l'autre, je les ai vus comme ça, tous tristes, solitaires. Et puis ils avaient simplement besoin peut-être d'un sourire de votre part, de ma part. J'ai entendu dire que tu t'étais complètement déplacé sur ce courant d'art, que tu avais complètement changé de sujet. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais. Je me suis attaqué à la ville, puis à la rue, à la foule. Puis alors là, j'ai commencé à perdre l'individu, puis le personnage, puis c'est devenu plus des marques. Et puis la peinture est devenue plus abstraite. J'étais encore très intéressé pendant un bon moment à l'individu par rapport à la ville. Chercher le solitaire, le clodo, dans la foule. Mais là, on est au loquin, là, c'est New York. Oui, mais ça va au même. C'est la même solitude. La solitude en Suisse ou la solitude aux États-Unis, c'est toujours la solitude. Elle est peut-être différente, mais c'est quand même la solitude.